Bonjour, vous allez bien? Bonjour, bien et vous-même. Bien, merci. Est-ce que je pourrais avoir la possibilité de partager mon écran, s'il vous plaît? Je termine la config juste et je vous passe la main. OK, formidable, merci beaucoup. C'est bon, vous avez la main. Formidable, merci beaucoup. On peut démarrer ou comment ça se passe? Oui, vous pouvez commencer. Il y a une retransmission directe sur YouTube et je vous transmettrai toutes les questions qui viendront de ce canal et du canal de discussion WhatsApp, Zoom. OK, super. Merci. Bon, on va commencer. Vous pouvez commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Réjani. Je suis le directeur du service admission, recrutement et développement international de l'Institut Paul Bocuse, qui est juste au-dessus de moi, et nous sommes ici pour parler des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Je me suis pas mal penché sur la question pour savoir de quelle manière est-ce que je pouvais vous présenter ces métiers, et je pense qu'il faut le faire de manière extrêmement simple, en insistant sur le fait que ces métiers, aujourd'hui, garantissent 100% d'employabilité aux personnes qui les choisissent, avec une ouverture 100% internationale, et surtout la possibilité de transférer les compétences et les connaissances que nous avons acquises dans ces métiers dans d'autres secteurs. Donc, ce n'est pas parce que vous allez choisir les métiers de l'hôtellerie et de la restauration que vous serez forcément bloqué dans ce secteur, bien au contraire. Il y a énormément d'articles de presse, de professionnels qui précisent que les connaissances, les compétences, les acquis que vous allez avoir dans ces métiers sont très utiles dans d'autres secteurs. Je pense notamment au sens de l'autre. Je pense également à la capacité à gérer le stress, à gérer les situations parfois un petit peu compliquées, à avoir le sens de l'autre, à accepter de travailler pendant que les gens mangent, les gens dorment, les gens s'amusent, être capable de manager, de diriger des équipes, de diriger des projets, que ce soit au niveau local, au niveau international, et puis la possibilité également de vivre des choses exceptionnelles. Qu'est-ce qu'on entend par hôtellerie et restauration? Ce sont tous les métiers au sens global qui sont liés à un secteur qui représente aujourd'hui 15% du produit intérieur brut de la France, mais qui est aussi un secteur qui est mondial parce que la pénurie de main-d'œuvre dans ces métiers est mondiale. C'est tout ce qui est lié au tourisme, à l'hôtellerie et la restauration, l'hôtellerie pour les vacances, l'hôtellerie pour les professionnels. Et puis restauration, c'est un terme qu'on a du mal un petit peu à comprendre aujourd'hui. La restauration, ça n'est pas uniquement que la cuisine, ce sont vraiment les entrepreneurs qui organisent leur restaurant avec le pôle de production art culinaire et pâtisserie, le pôle de salle et puis le pôle éventuellement achat, ressources humaines. Donc ce sont vraiment des hommes orchestres au service de leur projet, celui de leur restaurant. Allons un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qui nous donne de la légitimité en tant qu'Institut Paul Bocuse? Parce que c'est bien aussi l'école que je représente, c'est que nous sommes en France, le pays de l'hôtellerie et des arts culinaires, que l'on connaît bien. Plus spécifiquement dans une ville étudiante, la troisième ville de France, à 2 heures au sud-est de Paris. Nous sommes dans un pôle qui s'appelle Campus Lyon-Ouest, qui regroupe
une école de commerce, l'école de management de Lyon, avec laquelle nous avons un accord, avec une école d'ingénieurs, une école de la chambre de commerce et de l'industrie de Lyon, une école d'ostéopathie, et tout ça constitue Campus Lyon-Ouest, donc avec une zone, une aire d'enseignement dans laquelle eh bien, on retrouve tout ce qui est nécessaire pour bien vivre son enseignement supérieur en France, avec toutes les infrastructures prévues à cet effet. Pour descendre un petit peu plus sur l'Institut Paul Bocuse, d'où vient notre légitimité? Alors effectivement, on s'appelle Paul Bocuse parce que c'est le chef du XXe siècle avec 50 ans dans un restaurant étoilé. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'autre fondateur qu'on connaît un petit peu moins, de plus en plus, mais Gérard Pélisson, qui est également le cofondateur du groupe Accor avec toutes les marques que l'on connaît de ce groupe. Et je vais vous présenter un petit film qui dure 3 minutes, qui est en anglais, sous-titré en français, et qui vient illustrer toutes les possibilités, la quarantaine de métiers qui sont disponibles dans ce merveilleux groupe qu'est le groupe Accor. Je lance le film. On revient à notre petite présentation. Donc, le groupe Accor avec lequel nous sommes effectivement partenaires, mais il y en a bien d'autres, évidemment, ce premier film pour illustrer tout le champ des métiers qui sont possibles dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Pour y arriver, le groupe Accor nous fait confiance et nous confie la formation de leurs futurs collaborateurs. Et nous sommes une véritable école métier qui alterne théorie et pratique sur son campus et auquel on vient ajouter, évidemment, des périodes de stage. Nous avons des valeurs extrêmement claires, des valeurs de rigueur. Vous voyez que cette rigueur, on peut également la transférer dans d'autres métiers. L'exigence, cette générosité qui est très particulière aux personnes qui choisissent les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et évidemment, un sens de l'éthique qui anime tous nos étudiants et nos anciens.
quelques éléments rassurants pour l'Institut Paul Bocuse. Nous sommes une école prestigieuse avec un nom prestigieux, des fondateurs prestigieux. Notre école est reconnue par le gouvernement français. Nos diplômes sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au même titre qu'une école de commerce ou qu'une école d'ingénieur. C'est la même reconnaissance académique. Et enfin, nous sommes le premier bachelor, donc formation post-bac, depuis 11 ans dans notre spécialité, l'hôtellerie et la restauration. Donc, vous êtes dans une école sérieuse, une école reconnue et une employabilité garantie à l'issue de votre formation. Notre processus éducatif s'appuie sur des éléments extrêmement simples, c'est-à-dire que vous allez apprendre des techniques pour pouvoir être en légitimité quand vous allez être manager, parce qu'il faut nécessairement passer par le terrain pour pouvoir ensuite être en mesure, en capacité de vérifier le travail qui a été réalisé pour vos équipes. Donc ça, c'est ce que vous allez apprendre la première année. Ensuite, il faut être en capacité de transférer ces savoirs, de les vérifier. Donc vous allez être dans une posture de communication avec les élèves de première année quand vous serez en deuxième année, ce qui va inexorablement vous amener vers le management des équipes, les management de concepts, et ensuite vous amener vers la créativité, c'est-à-dire d'être capable de créer votre propre environnement et de le justifier auprès de votre clientèle. La qualité de nos programmes fait que nous sommes dans l'obligation d'avoir un corps professoral de qualité, donc plus de 25% de nos professeurs sont titulaires de baccalauréat. Et enfin, afin de transmettre cette passion, nous avons un rapport étudiant-enseignant qui est de 1 sur 4. Il y a un enseignant pour 4 étudiants, ce qui nous permet d'être au plus proche de vos réalités. Quelque chose qui nous distingue également des autres établissements de formation, c'est que nous disposons de lieux d'expérience professionnels uniques qui sont directement intégrés à la formation. Nous avons 6 restaurants d'application et 2 hôtels d'application. On va commencer par les hôtels. Les hôtels, nous avons le Royal Place Bellecour, qui est un M-Gallery by Sofitel, qui accueille de la clientèle. Place Bellecour, c'est le centre-ville de Lyon. On ne peut pas faire plus au centre que ça. Et donc, nos étudiants, quand ils sont un petit peu aguerris aux techniques, viennent se perfectionner dans cet hôtel prestigieux. Nous avons également une résidence étudiante à destination des élèves de première année et des élèves internationaux qui nous sert également de lieu d'expérience pour l'hôtellerie dite économique. Alors, économique, quelquefois, on tord un petit peu le nez quand on entend ça, mais c'est 25% du chiffre d'affaires du groupe Accor. Si l'hôtellerie économique ne va pas bien, le groupe Accor ne va pas bien non plus. Et enfin, 6 restaurants d'application, le seul restaurant d'application étoilé en France, le Saison, et également sur notre campus. Nous avons un restaurant expérience destiné à notre laboratoire de recherche. Le restaurant L'Institut, qui est dans les locaux de l'hôtel en centre-ville de Lyon, qui est un restaurant positionné en bistronomie. Donc là, c'est 3 établissements de restauration, Saison, L'Institut et Expérience, accueil de la clientèle externe. Et les 3 autres, notre brasserie F&B, notre restaurant Nomos et notre notre salle immersive, accueillent les projets des étudiants pour qu'ils puissent passer dans la créativité que nous exprimions tout à l'heure. Notre résidence économique, voilà, qui est ouverte aux étudiants. Donc là, évidemment, les étudiants internationaux ont un accès. On est à 300 mètres des salles de cours, donc c'est vraiment à côté de notre bâtiment pédagogique. Cette expérience académique, je reviens quelques instants sur cette excellence académique. Donc, l'école est reconnue par l'État, c'est-à-dire qu'elle est habilitée à recevoir les étudiants boursiers. Et parallèlement à cela, nous avons des bourses d'excellence à destination des excellents élèves, qu'ils soient français ou internationaux. Donc, une école reconnue, des diplômes visés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et
des titres master qui sont des titres certifiés par le ministère du Travail, toujours en collaboration avec une école prestigieuse. On le verra dans notre offre de formation. Quelques éléments également sur ce qui nous distingue des autres écoles, c'est que nous avons un dispositif dit de talent manager qui vient vous aider à trouver le bon endroit pour faire votre stage. Toutes nos années se terminent par des stages et vous pouvez voir que nos étudiants se retrouvent dans des hôtels 4 étoiles, dans des hôtels 5 étoiles, dans des palaces. Plus de 3/4 d'entre eux sont dans des établissements prestigieux et l'employabilité est garantie. Notre service relations entreprises organise des événements très régulièrement, une fois tous les 2 mois en moyenne, où des entreprises viennent recruter nos étudiants avant qu'ils soient diplômés. Et ce dispositif est extrêmement singulier et propre à l'Institut Paul Bocuse. Nous avons évidemment la possibilité de vous faire vivre une expérience internationale. Il ne se passe pas une semaine sans que nous agrandissions notre réseau de partenaires pour les milieux de l'hôtellerie et de la restauration à raison d'un semestre académique à l'étranger. Donc, on ne désespère pas d'ouvrir très prochainement sur le continent africain. Nous avons quelques touches en Afrique, nous avons des touches au Sénégal, nous avons des touches au Cameroun et nous espérons bientôt des touches, évidemment, au Gabon. Notre offre de formation, je vois qu'il nous reste 10 minutes, je vais essayer d'être le plus concis possible. C'est extrêmement simple. Nous sommes à la recherche d'étudiants titulaires ou sur le point d'être titulaires d'un baccalauréat, quelle que soit la discipline d'origine et quelle que soit la nationalité du baccalauréat. Nous avons des rentrées au mois de septembre. Donc, pour les filières de l'hôtellerie, ça peut se faire en français-anglais ou 100% en anglais. Pour notre filière restauration, ça va se faire uniquement en français-anglais en septembre. Nous avons également des rentrées en avril. Là, les candidatures sont ouvertes pour les étudiants pour la prochaine rentrée d'avril en 2022. Donc ça, ce sont sur les filières hôtellerie et sur les filières restauration. Nous avons également des rentrées pour nos bachelors en art culinaire, pareil sur français et avril, et sur notre bachelor, nouveau bachelor pâtisserie qui est ouvert depuis cette année uniquement en français. Vous noterez que les formations en hôtellerie et restauration durent 4 ans et que les formations en art culinaire et en pâtisserie durent 3 ans. Nous avons également développé tout un dispositif d'admission parallèle. Vous n'êtes pas obligé de venir des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires pour pouvoir nous rejoindre. Nous avons un dispositif extrêmement clair pour pouvoir vous admettre après des BTS, après des Bac plus 2, des Bac plus 1, des Bac plus 2, des Bac plus 3, que vous veniez de filières de sciences de gestion, de sciences de l'ingénieur, de sciences de santé ou d'autres. Nous sommes en mesure de vous accueillir à tous les étages de notre offre de formation, sous réserve que nous puissions vérifier vos compétences académiques ou vos compétences métiers. S'il vous manquait l'une de ces deux compétences, nous avons un dispositif d'accompagnement, de remise à niveau intensive pour vous permettre de rattraper le niveau de nos étudiants en formation. Si vous êtes déjà titulaire d'une licence, nous avons la possibilité de vous accueillir dans 2 programmes. Le premier en hôtellerie, 100% en anglais, avec notre partenaire prestigieux qui est l'EM Lyon. Un programme extrêmement ambitieux dans la mesure où il se trouve sur 3 campus, Paris, Lyon, Shanghai ou Las Vegas. Et vous obtenez 2 diplômes, celui de l'EM Lyon et celui de l'Institut. Et puis, une possibilité de poursuite en Bac plus 5 avec notre master 100% en anglais également, Culinary Leadership and Innovation, qui se déploie avec notre partenaire Agaelia, qui est un partenaire finlandais, et qui vous allez passer également 2 mois de formation. Pour nous rejoindre, c'est extrêmement simple. Tout se passe sur notre site internet. Une candidature en ligne. On va vérifier votre éligibilité et éventuellement parler de votre projet professionnel, votre projet académique. Une fois que votre éligibilité est constatée, que votre dossier est complet, nous vous invitons à une journée de sélection. Nous allons vous tester. Vous allez passer devant un comité de sélection et ensuite vous pourrez vous inscrire. Nous maîtrisons également
toutes les données, tous les besoins de documents relatifs à l'obtention du visa. Et donc, nous serons très heureux de pouvoir vous accueillir lors d'une prochaine rentrée en avril 2022 ou en septembre 2022. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Si d'aventure vous avez des questions, nous sommes disponibles et répondons extrêmement rapidement. Et puis, au plaisir de vous rencontrer très prochainement. Je crois que c'est le moment des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être sur YouTube. Si je peux me permettre, je vous amène une précision. Je vois que mon amie Madame Daboico est dans l'assistance. Pour préciser quand même quelque chose d'important, pour être au plus proche des étudiants, nous avons développé des bureaux de représentation avec des représentants exclusifs de l'Institut Paul Bocuse. Je dis ça parce que quelquefois, on s'étonne que d'autres interlocuteurs prennent contact avec vous. Madame Daboico est une amie depuis plusieurs années. Elle représente l'Institut Paul Bocuse depuis Dakar. Et donc, elle est disponible à l'adresse que je vais mettre dans le chat. C'est une adresse officielle de l'Institut Paul Bocuse et elle est au plus proche de vous. Elle maîtrise parfaitement nos procédures et celles de Campus France. Et elle est une interlocutrice professionnelle et de qualité qui pourra vous aider. Et d'autres interlocuteurs prennent contact avec vous. Madame Daboico est une amie depuis plusieurs années. Elle représente l'Institut Paul Bocuse depuis Dakar. Alors, il y a une question je viens de voir. Alors, les coûts de formation, alors ça dépend lesquels. Je vous remercie pour votre question, Wilfried. Les frais de formation, il faudrait que vous soyez plus précis avec la vôtre. Elle est une petite professionnelle et de qualité qui pourra. De toute façon, nos tarifs sont disponibles en ligne, sur simple demande, sur notre site internet institutpaulbocuse.com à la rubrique brochures et tarifs. Et ensuite, pour l'hébergement, il faut compter 400 à 500 euros par mois selon le logement souhaité. On a coutume de dire que pour vivre en France, il faut compter entre 800 et 1000 euros par mois, auxquels viennent s'ajouter les frais de formation qui diffèrent évidemment selon le programme souhaité. Je ne sais pas, est-ce que votre collègue voulait intervenir? Il n'y a plus de questions dans le chat ni sur YouTube. Très bien. Écoutez, je suis dans les temps, donc. Oui, parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.